Bonjour, je suis Sébastien Thibault, professeur à l'ENSEM et responsable scientifique de la plateforme Mifisto dédiée à la microfabrication mécanique, à la fonctionnalisation et l'hybridation des composants microtechniques. L'objectif de cette plateforme est de répondre à un intérêt scientifique de en recherche, en transfert et en valorisation autour des procédés de fabrication dans le domaine miniature et plus particulièrement de la mécanique au-dessus du micromètre et autour du millimètre. L'objectif est de miniaturiser, de proposer des nouveaux procédés de fabrication, mais également des enchaînements de procédés et une hybridation de ces procédés pour être plus compétitifs et plus performants autour des technologies dites de salle grise, de salle blanche, de fabrication additive et également de traitement de surface. Nous avons également développé des activités autour de la fonctionnalisation des surfaces, notamment pour les moules, mais également pour des aspects tribologiques ou des surfaces d'aspect. Et également tout ce qui est technique autour de la métrologie des composants à ces échelles, aussi bien en surface qu'en dimensionnel, qu'en état de surface, mais également dans le volume. Nous avons également développé des techniques de microfabrication dites 3D sur des composants, sur des matériaux avancés, extrêmement difficiles à usiner, ou également sur des technologies de type fabrication additive ou l'enchaînement fabrication additive-usinage, jusqu'à développer des techniques d'instrumentation des procédés pour rendre ces procédés intelligents et pour prévoir ce que seront l'industrie 4.0 pour la micromécanique. Donc cette plateforme a vocation à développer des technologies et des connaissances pour aider les entreprises de tout type à développer des procédés de fabrication, mais également des outils de métrologie pour les prochaines générations de fabrication. Cette plateforme est le regroupement de trois savoir-faire qui sont liés à trois laboratoires de recherche, instituts de recherche en Bourgogne-Franche-Comté, l'Institut FEMTO-ST, l'Institut UTINAM et l'Institut Carnot de Bourgogne. Nous vous présenterons lors des présentations virtuelles du 24 septembre des exemples de projets collaboratifs, notamment avec des PME. Vous en avez ici un exemple autour du décolletage dit dur dans des petits composants dans des matériaux avec des duretés assez élevées qui vont jusqu'au taillage de petits pignons sur des axes de pièces en matériaux d'une dureté supérieure à 55 HRC ici. Nous présenterons des exemples de projets dans différents domaines et également les possibilités de travailler en collaboration avec les laboratoires, les entreprises et les institutionnels. N'hésitez pas à nous contacter, à voir cette vidéo et à venir discuter avec nous lors de la présentation du 24 septembre. Merci à vous.